Dans la capsule précédente, on a vu ce qui se passait lorsqu'on couplait le lâcher tourbillonnaire avec une structure flexible qui peut vibrer. Donc, on a caractérisé ça de façon expérimentale, puis on en a fait un peu un cartoon pour comprendre. Maintenant, cherchons à développer un modèle mathématique du phénomène. Donc, on peut aller très loin, de façon très poussée, avec beaucoup de détails et de résolution dans les modèles mathématiques des vibrations induites par vortex. On peut penser, par exemple, à coupler un modèle DNS, Direct Numerical Simulation, de l'écoulement et de tout simuler la turbulence dans le sillage de la structure qui est libre de vibrer. Donc, sur un superordinateur. Donc, ça serait, disons, le bout le plus réaliste. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller complètement à l'autre extrême des modèles mathématiques, de chercher le modèle le plus simple qui va nous permettre de comprendre la physique en jeu. Donc, on va regarder ensemble le modèle phénoménologique, le modèle d'oscillateur-sillage. Donc, c'est le modèle qui a été linéarisé par Emmanuel Delanque. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on considère un cylindre circulaire encore, de masse M, diamètre D, avec un seul degré de liberté, donc il est attaché à une rigidité K, et donc il peut seulement vibrer dans une seule direction. Et encore une fois, il est sujet à un écoulement uniforme de vitesse U. Donc, on commence à comprendre, on est habitué de voir ça, donc on a notre système oscillateur à un degré de liberté, sa masse, sa rigidité. On a pris le raccourci tout de suite d'inclure la masse ajoutée avec la masse structurale pour notre degré de liberté. Et puis, comme on s'intéresse aux vibrations transverses à l'écoulement, dans la direction normale à l'écoulement, ben, on va considérer la force de portance que génère le fluide sur la structure. Donc, encore une fois, pour normaliser toutes nos choses, on va considérer la fréquence naturelle de notre oscillateur dans son fluide, donc avec sa masse ajoutée, donc qui est donnée par la relation suivante. Donc, la force de portance que va générer l'écoulement sur le cylindre, bien, on peut l'exprimer avec la relation suivante pour utiliser un coefficient de portance adimensionnel. Donc, c'est la même relation qu'on peut voir en aérodynamique, par exemple, on aurait la portance d'une aile. Sauf que là, ici, on va considérer le coefficient de portance qui fluctue dans le temps. Donc, ce qu'on a vu, c'est que dans le sillage de notre cylindre, lorsqu'on a les tourbillons alternés de part et d'autre, ça va générer une alternance de pression sur notre cylindre et donc ça va avoir tendance à faire une portance qui oscille dans la direction transverse à l'écoulement. Donc, phénoménologiquement, ce qu'on observe, c'est que notre portance qui varie dans le temps, bien, c'est une valeur constante, c'est L0, multipliée par un sinus avec la fréquence du lâcher tourbillonnaire et puis le temps. Donc ça, c'est ce qu'on observe expérimentalement puis numériquement lorsqu'on on simule un écoulement avec un lâcher tourbillonnaire. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller une étape au-delà de ça. C'est qu'on va dire qu'on va chercher à modéliser le sillage comme un oscillateur-sillage. Donc, si ça, c'est ce qu'on on observe, ben, on pourrait dire que notre sillage, c'est comme un oscillateur, puis un oscillateur, ben, ça obéit à la relation suivante, comme notre oscillateur structural. Donc, ça veut dire que la portance, cette deuxième dérivée dans le temps, plus la portance, avec un terme avec sa fréquence naturelle ici, est égale à zéro. Et donc, la solution de cette équation différentielle-là, ben, c'est ce qu'on observe ici sur notre cylindre fixe. Donc, ça a du sens, hein? Donc, on ne part pas des principes de base. On n'est pas en train de développer Navier-Stokes en faisant la conservation de la quantité de mouvement ou quelque chose comme ça. On part plutôt des observations et on vient mettre ça en équation. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va modéliser notre sillage comme un oscillateur sillage. Donc, ça serait l'équation qui gouvernerait notre sillage dans le cas d'un cylindre fixe. Maintenant, ce qu'on va vouloir considérer, c'est la rétroaction du mouvement du cylindre sur le sillage.
Donc, ce qu'on va venir dire, c'est que l'équation qu'on avait ici, on va venir dire que dans le fond, en oscillant le cylindre, ben, il va venir faire un certain forçage sur le sillage. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que ce forçage-là va être proportionnel à l'accélération du cylindre. Donc, on peut argumenter, dire oui, ça a du sens de faire ça proportionnel à l'accélération parce que c'est de la masse de fluide qui va devoir osciller. Donc, on peut faire un lien peut-être avec la masse ajoutée. Mais donc, il y a un peu d'argumentaire dans les différents papiers. Est-ce qu'on devrait plutôt mettre un terme en vitesse ou en position? Mais donc, on va y aller comme ça, on va dire, on va prendre un couplage avec un terme en accélération comme ça. Pourquoi? Parce que ça marche. On va le voir un peu plus tard. Donc, on a l'équation de notre oscillateur sillage qui va être forcée par l'accélération du cylindre. Puis ensuite, on va avoir l'équation de notre oscillateur structural, notre cylindre, qui lui va être forcé par la portance du sillage. Donc, on a un système à deux équations, deux degrés de liberté, et puis c'est des équations couplées. Hein? La portance, ça c'est l'équation de la portance, bien, la portance, ça va apparaître dans l'équation de notre oscillateur, puis l'équation de notre oscillateur, bien, son accélération va apparaître dans l'équation de la portance. Donc, on a un système qui est tout couplé ensemble. Donc, avant de venir résoudre notre système d'équation, on va venir l'exprimer sous forme adimensionnelle. Et là, on va avoir des nombres avec des définitions un petit peu particulières. On va définir un nombre de stroales basé sur la fréquence du lâcher tourbillonnaire sur le cylindre fixe. On a la vitesse réduite basée sur la fréquence naturelle de notre oscillateur sans écoulement. Et puis, on va définir un nombre de masses avec une définition un peu particulière qui fait intervenir à l'intérieur le nombre de stroales. Pourquoi? Ben, parce que la forme des équations va être plus jolie. Et donc, basé sur ça, ben, on va définir notre temps adimensionnel qui va faire intervenir la fréquence naturelle de notre oscillateur et puis on va non-dimensionnaliser notre déplacement en utilisant le diamètre de notre cylindre. Et donc, lorsqu'on vient utiliser ces nombres adimensionnels-là dans les équations qu'on a vues précédemment, on est capable de réexprimer notre système d'équations comme suit. Donc, ce que je vous propose, bien, c'est qu'on vienne résoudre ce système d'équations-là. Donc, ramenons notre système d'équations ici. Notre troual fois UR, on va appeler ça grand oméga. Et donc, à quoi ça correspond grand oméga? En fait, bien, troual fois UR, on le dit, lorsque stroal fois UR, ça vaut 1, c'est lorsque la fréquence du lâcher tourbillonnaire correspond à la fréquence d'oscillation de notre structure. Donc, c'est là où on a l'accrochage. Donc, dans le fond, stroal fois UR, c'est comme le rapport de la fréquence du lâcher tourbillonnaire sur la fréquence naturelle de la structure. Donc, la fréquence du lâcher tourbillonnaire sur la fréquence de notre structure, F0 ou FS0. Donc, en utilisant ça, en le substituant là-dedans, pour prendre oméga, ça va être un peu moins long à écrire, on peut réexprimer nos équations ici sous forme matricielle. On va, dans notre première équation, on a 1 fois xi point point. Et puis, on va avoir dans la première équation 0 fois cl point point. Donc, on va avoir 1, 0 comme ça ici. Ensuite, on va avoir 1 fois xi. Donc, 1 fois xi. Et puis, on a stroal carré UR carré, donc ça c'est comme grand oméga carré fois M fois CL, donc puisqu'il faut l'envoyer de l'autre côté de l'équation, donc on va avoir moins oméga carré
fois M fois CL. Et donc ça, ça va être égal à 0, 0. Donc ça, c'est notre première équation. Dans le fond, on a juste pris la première équation ici, puis on est venu la réexprimer avec des matrices puis des vecteurs. Donc la deuxième équation, on a combien de fois xi point point? Bon, on a alpha ici, mais de l'autre côté, donc il faut l'envoyer, ça devient un moins. On a moins alpha ici. Puis on va avoir une fois CL point point. Et puis après ça, ben, on va avoir oméga carré fois CL. Donc on va avoir oméga carré ici. Et puis on a 0 fois xi. Donc on a notre système à 2 degrés de liberté, hein, xi et CL, exprimé sous la forme d'une équation matricielle. Donc on veut venir résoudre ça. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va supposer on va venir supposer que notre xi et puis CL, qui sont des fonctions du temps tôt, on va venir les réexprimer sous la forme d'une exponentielle. Donc, on va venir dire qu'on va avoir xi chapeau, CL chapeau, ça va être fois e à la i oméga tau. Donc, on va venir solutionner notre système d'équation en supposant une exponentielle. Donc, en prenant ça puis en le rentrant là-dedans, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par écrire ce terme-là en premier. Donc, on va avoir 1 moins oméga carré M 0 grand oméga carré. Et on va avoir moins, ici, on va avoir xi point point puis CL point point. Donc, on a i fois oméga qui va être dérivé, qui va venir en avant deux fois quand on va dériver deux fois. Donc, i fois i, ça fait moins 1, donc le moins, puis on va avoir oméga carré. Et là, on va avoir 1, 0, moins alpha, 1. Et puis tout ça, c'est en parenthèse, ça va être fois xi, chapeau, cl, chapeau, fois e à la i, oméga t, pas oméga t, oméga tau, hein, sans dimension, qui est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a tout ça, dans le fond, c'est comme une grosse matrice. Et puis, il faut que tout ça, qui multiplie ça ici, il faut que ça soit égal à 0. Donc, le e à la i oméga tau, c'est pas tout le temps 0. Donc, si on veut pas choisir xi chapeau puis cl chapeau qui sont égales à 0, ça serait la solution triviale. Mais il va falloir que ça ici, ça nous donne notre 0. Donc, comment ça va le faire? Bien, il va falloir que cette matrice-là soit singulière. Et donc, ça devient un problème de valeur propre. Donc, on a un problème de valeur propre. De valeur propre, c'est qu'on va prendre le déterminant de la matrice, on va dire qu'il est égal à 0. Donc, si le déterminant de la matrice est égal à 0, ça veut dire que cette matrice-là est singulière. Et donc, ça va venir rencontrer notre équation. Donc, pour avoir une solution non triviale. Donc, si on prend le déterminant, on va avoir le déterminant de ça. Donc, on peut venir tout combiner ensemble. On va avoir, dans le premier terme, 1 moins oméga carré fois 1. 1 moins oméga carré. Ici, on va avoir moins grand oméga carré fois m. On va avoir
moins, donc alpha fois oméga carré. Et puis, on va avoir grand oméga carré moins petit oméga carré. Donc, le déterminant de tout ça, qui est égal à zéro. Donc, le déterminant de ça, c'est quoi? Ben, ça va être 1 moins oméga carré fois grand oméga carré moins petit oméga carré moins ça ici fois ça ici. Donc, la solution de ça, ça va être 1 moins oméga carré fois grand oméga carré moins petit oméga carré. Et puis ici, on va se retrouver avec moins ça fois ça, donc ça fait plus alpha fois grand oméga carré m fois petit oméga carré, qui est égal à 0. OK. Donc, on avance bien. Donc, on va reprendre cette expression-là ici. On va venir la réexprimer de façon un peu différente. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a moins oméga carré fois moins oméga carré. Donc, on va avoir oméga à la 4. Et puis, après ça, bien, si on regroupe tous les termes qui multiplient juste oméga carré, on va se retrouver avec grand oméga carré ici fois... on va avoir ici alpha fois grand oméga carré fois m. Et puis, on va avoir moins oméga carré fois grand oméga carré. Donc, moins grand oméga carré. Puis ici, on va avoir moins petit oméga carré fois 1, donc moins 1 fois oméga carré. Et puis, on va se retrouver avec un terme de 1 fois grand oméga carré qui, lui, sera pas multiplié par 1 oméga. Donc, on a notre relation ici, notre équation de fréquence. Donc, ça ici. C'est notre équation de fréquence. Dans le fond, c'est une équation de degré 4, un polynôme de degré 4. Donc, notre polynôme de degré 4 ici, en petit oméga, bien, il va admettre 4 solutions de petit oméga. Donc, si on vient trouver c'est quoi les quatre valeurs de petit oméga qui font que cette équation-là est respectée, dans le fond, on vient trouver les racines de cette équation-là, bien, on va avoir trouvé les fréquences complexes de notre solution ici, de notre système oscillateur sillage couplé avec notre oscillateur structural. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, dans le fond, on a ici le rapport de nos fréquences. Ça, dans le fond, c'est l'équivalent d'une vitesse adimensionnelle, hein, parce que la fréquence du lâcher tourbillonnaire, elle augmente linéairement avec la vitesse de l'écoulement. Donc, ça correspond à une vitesse adimensionnelle. Ensuite, ce qu'on va dire, c'est que lorsqu'on a trouvé nos valeurs de petit oméga, on va pouvoir prendre la valeur réelle de petit oméga. Et puis, à quoi ça correspond, ça? Ben, ça va être la fréquence observée. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi considérer le rapport de la valeur imaginaire de oméga sur la partie réelle de oméga. Et puis ça va être quoi?
ça va être notre amortissement. Donc, notre amortissement. Donc, on trouve nos valeurs de oméga. Leur sens physique, c'est qu'on a la fréquence observée, puis on a l'amortissement. Mais on se demande, qu'est-ce que ça donne, puis est-ce que ça marche? Donc, ça a déjà été résolu. Ce qu'on a ici, c'est une comparaison des mesures de Kaliak et Williamson qu'on a vues dans une capsule précédente, comparées avec le modèle de Delangre à 2 degrés de liberté, le modèle linéaire. Et donc, ce qu'on observe ici, c'est qu'on a les points ici, qui sont les expériences de Kaliak et Williamson. Et puis, les traits ici, c'est les fréquences complexes qui ont été obtenues en solutionnant cette équation-là. Donc, ce qu'on a ici, c'est ça ici, la fréquence du lâcher tourbillonnaire divisée par la fréquence naturelle, donc ce qui correspond un peu à une vitesse d'écoulement adimensionnelle. Et ici, on a la fréquence du système observé, donc la partie réelle de notre oméga. Et donc, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on n'a aucune vitesse d'écoulement, on va avoir deux fréquences. Une fréquence de zéro, qui correspond dans le fond à la fréquence du lâcher tourbillonnaire. Donc, si on n'a pas de vitesse d'écoulement, de façon asymptotique, la fréquence du lâcher tourbillonnaire va être nulle. Et on va avoir une autre fréquence, qui celle-ci vaut 1, qui dans le fond correspond à la fréquence naturelle de notre structure. Donc, notre oscillateur, s'il n'y a pas d'écoulement, il vibre à sa fréquence naturelle. Et donc, en augmentant la vitesse de l'écoulement, la fréquence du lâcher tourbillonnaire augmente, la fréquence de l'oscillateur reste à peu près la même, et lorsqu'on s'approche d'une vitesse adimensionnelle de 1, une vitesse adimensionnelle de 1, ça voudrait dire que notre nombre de strouhal va être l'inverse de notre vitesse réduite. Donc là, on va arriver dans l'accrochage. Et puis, qu'est-ce qu'on voit, en fait, dans l'accrochage? Bien, c'est qu'on a une confusion entre nos deux fréquences sur une certaine plage, une certaine gamme de vitesse réduite. Et puis après ça, lorsqu'on continue d'augmenter la vitesse réduite un peu plus loin, bien là, ces deux fréquences-là vont se séparer à nouveau. Et donc, on va avoir à nouveau une fréquence de lâcher tourbillonnaire qui se rapproche un peu d'une droite, telle qu'on l'a vu sur notre cartoon. Puis la fréquence de l'oscillateur sillage ici. Pardon, la fréquence de l'oscillateur structural ici qui tend vers une certaine constante proche de 1. Et donc, en même temps qu'on observe ça ici, dans l'expérience, on a observé une augmentation de l'amplitude de vibration qui correspond à peu près à la plage de notre accrochage. Donc, notre modèle à nous d'oscillateur sillage linéaire comme ça ici ne nous permet pas d'évaluer l'amplitude de vibration. Hein, parce qu'il faut se souvenir, c'est un modèle qui est linéaire. Donc, le modèle linéaire ne nous donne que la fréquence, ne nous donne pas d'informations sur l'amplitude du mouvement. Donc, ça, on ne peut pas faire de comparaison. Par contre, on peut aller voir l'amortissement ou le taux de croissance. Lorsque c'est positif ici, ça devient un taux de croissance. Et donc, ce qu'on voit, c'est que on va avoir aucun taux de croissance, donc on va avoir quelque chose qui est négatif ou nul lorsque notre vitesse elle est faible. Et lorsqu'on arrive dans la plage d'accrochage, mais c'est là où on a le taux de croissance qui est le plus grand. Et donc, c'est là où on aurait une instabilité, où là, l'amplitude de vibration aurait tendance à croître. Donc, notre modèle linéaire, lui, il va prédire qu'on va avoir une augmentation des amplitudes de vibration jusqu'à l'infini. Dans les faits, on a une saturation d'amplitude. Typiquement, ça sature à un diamètre d'amplitude. Voilà. Donc, notre modèle linéaire a deux équations, 2 degrés de liberté, qu'on est capable de venir résoudre avec un polynôme de degré 4. Fonctionne quand même très, très bien. On peut le tester encore un petit peu plus loin. Ce qu'on peut venir faire ici, c'est venir varier notre nombre de masses, en fait. Donc, on va venir varier le nombre de masses, ici, notre grand M, donc dans une certaine valeur. Donc, au lieu de prendre la valeur grand M qu'on a ici
Le graphique ici que j'ai repris de Paille-Doucet et Al 2010, mais il est tracé en fonction d'un M étoile qui est relié à notre valeur de grand M. Là, mais donc, lorsque notre M étoile est grand, ça veut dire qu'on a un fluide léger. Et lorsqu'on a un M étoile qui est petit, qui tend vers zéro, ça veut dire qu'on a un fluide qui est très lourd. Et donc, en venant sortir la largeur de la plage d'accrochage, donc dans le fond, en venant prendre la vitesse ici où la plage d'accrochage débute, puis la vitesse ici où la plage d'accrochage se termine, si on vient représenter ça sur le graphique ici, mais ce qu'on voit, c'est que pour un fluide très léger, la plage d'accrochage, elle est très, très mince. Hein, le fluide est très léger, donc le cylindre va uniquement permettre l'accrochage dans une très faible gamme de vitesse réduite. Par contre, lorsqu'on va atteindre des bons nombres de masses, hein, lorsqu'on va avoir un fluide très lourd, ben là, notre plage d'accrochage devient très, très grande. Et puis, ça diverge ici. On voit qu'on a une plage qui se poursuit presque à l'infinité lorsqu'on a un fluide qui est très, très lourd. Donc là, notre fluide devient tellement lourd, en fait, que c'est l'instabilité du lâcher tourbillonnaire qui va carrément gouverner le mouvement de la structure. Donc, la structure devient tellement... les forces fluides deviennent tellement grandes parce que le fluide est tellement lourd que la structure ne vibrera plus à sa fréquence naturelle. Elle va vibrer à la fréquence que le fluide va lui dire de vibrer. Elle va vibrer avec le lâcher tourbillonnaire sur une grande gamme de vitesses. Voilà. Donc, avant de terminer cette capsule, ce que je voudrais vous montrer brièvement, c'est comment faire pour venir résoudre cette équation-là. Donc, je vais vous donner un bref aperçu du code MATLAB que j'ai utilisé pour faire ça. On a vu les graphiques tracés dans le livre de Paille-Doucet, Price et Delangre sur l'oscillateur sillage. Donc, voici comment j'ai reproduit ce graphique-là avec MATLAB. Donc, on avait obtenu notre relation de fréquence, qui était un polynôme de degré 4. Je vais vous montrer comment c'est assez facile de venir résoudre ça avec MATLAB. Donc, encore une fois, mon code est assez long, mais il y a tout ça qui sert à tracer les graphiques ici. Donc, je commence par initialiser certaines variables. Donc, j'ai dit que le paramètre alpha vaut 1, que le nombre de masse 0.1 vaut 0.1. Et puis, je fais varier mon grand oméga de 0 jusqu'à 4 par pas de 0.1. Et ensuite, bien, dans cette boucle-là où j'incrémente la valeur de grand oméga, je viens définir un polynôme de degré 4 sous la forme d'un vecteur. Donc, mon équation de fréquence, elle a 1 fois oméga à la 4, 0 fois oméga à la 3, m fois oméga, grand oméga, fois tout ça, fois oméga à la 2. 0 fois oméga à la 1 et grand oméga au carré fois 1. Donc ça, c'est mon polynôme défini sous la forme d'un vecteur. Et puis ensuite, avec MATLAB, j'utilise la commande root et je mets root avec mon polynôme ici sous la forme d'un vecteur et MATLAB, par magie, il me sort mes valeurs propres. Donc on aurait pu nous-mêmes coder un algorithme comme Newton-Raphson ou quelque chose comme ça, mais lorsqu'on a un polynôme, c'est vraiment simple d'utiliser les fonctions internes de MATLAB ou de d'autres langages de programmation. Puis ensuite, on peut utiliser sort, par exemple, pour les mettre en ordre de valeurs absolues. Et donc, toutes mes valeurs de racines que j'ai trouvées, par la suite, je viens en tracer les valeurs la valeur réelle ou le rapport de la valeur imaginaire sur la valeur réelle, comme c'est fait dans le livre de Paille-Doucet, Price et Delangre. Et donc, les graphiques que j'obtiens ici correspondent à ceux qu'on a vus précédemment qui étaient tirés du livre.